Salut tout le monde et bienvenue dans Oh là là français. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue le cours avec des expressions. On apprend des expressions. Avec Adèle, on a déjà fait plusieurs vidéos pour les expressions. Aujourd'hui, on apprend j'ai du mal. J'ai du mal. J'ai du mal. J'ai du mal, ça ne veut pas dire j'ai mal. J'ai mal à la tête. Non, c'est différent. J'ai du mal, ça veut dire c'est difficile pour moi. C'est difficile pour moi. J'ai du mal. J'ai du mal. Vous savez, la dernière fois, dans une vidéo que j'ai faite avant, on a appris « je n'arrive pas à faire quelque chose ». « Je n'arrive pas à faire quelque chose », ça veut dire « c'est impossible pour moi ». « Je ne peux pas ». Mais aujourd'hui, on apprend « j'ai du mal ». « J'ai du mal », ça veut dire « c'est difficile ». C'est difficile pour moi, mais ce n'est pas impossible. Par exemple, avec le masque, quand je mets mon masque, j'ai du mal à respirer. Quand je mets mon masque, j'ai du mal à respirer. C'est difficile pour moi de respirer. Respirer. C'est difficile avec le masque. J'ai du mal à respirer. Ou alors, aujourd'hui je suis fatiguée, je suis très fatiguée, j'ai du mal à me concentrer. J'ai du mal à me concentrer. Me concentrer, par exemple, dans un cours ou dans mon travail. J'ai du mal à me concentrer. C'est difficile pour moi de me concentrer parce que je suis très très fatiguée. J'ai du mal à me concentrer. Dernier exemple, par exemple, il y a du bruit. Par exemple, aujourd'hui je suis dans un parc, il y a beaucoup de bruit. Vous entendez les enfants? Il y a beaucoup de bruit. Si c'est la nuit, il y a du bruit la nuit. J'ai du mal à dormir. J'ai du mal à dormir. Il y a du bruit. J'ai du mal à dormir. Voilà, j'espère que vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire. J'ai du mal à faire quelque chose. J'ai du mal. Maintenant, j'attends vos exemples dans les commentaires. Bonne journée, à bientôt, salut !